Nous, on a exprimé le ressenti qu'on a par rapport aux sorties médiatiques du président, tout ça, et que les Français ne sont vraiment pas du tout convaincus, même pire, ça commence à agacer justement tous les gilets jaunes qui sont sur le terrain. Bah, du coup, on voulait en venir aussi là-dessus, samedi prochain, du coup, est maintenu, et ça sera, il y aura le rendez-vous comme samedi dernier aux Champs-Élysées. Sur le fond, leurs revendications qu'ils nous ont remis sur deux pages vont très au-delà des questions de la transition écologique, vont très au-delà de la question des carburants proprement dites, même si le mouvement est bien parti de la hausse des carburants. Et d'entrée de jeu, ils ont tenu à nous dire qu'ils souhaitaient parler de bien d'autres sujets. La discussion a été d'ailleurs très cordiale, très libre. Nous avons pu échanger sur l'ensemble des sujets qu'ils souhaitaient. Bien sûr, nous n'étions pas là pour apporter des réponses immédiates et je ne pense pas qu'ils s'attendaient non plus à ce que nous ayons des réponses politiques globales aux questions de niveau de vie, aux questions de pouvoir d'achat, aux questions de niveau des taxes. Ce sont ces sujets-là qui reviennent très lourdement, mais aussi des sujets de démocratie plus généralement, puisqu'il y a des appels à des référendums, à des assemblées citoyennes. Merci. 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 Bonne soirée.